Do you know the story of Durin in this mountain? Snow gathers atop this mountain and never melts, which is a most curious phenomenon. In fact, I believe that the very sword in your hand has Durin's remains in it. As such, who could I find to help me if not you? Into position! Prepare for battle! Getting a little cold! Genius, but I don't think I'm any genius. Moments of birth! My job is to honor my contract with Rex Lapis. All hail! To I made a new discovery while sketching nearby. There's an area up ahead that's quite remarkable. The truth of this world. What could it be? The two of us meeting really a good thing. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Et aujourd'hui, très grosse vidéo sur les news de la version 1.2 qui va sortir le 23 décembre sur Genshin Impact. On a regardé tout ça ensemble en live, donc le live de la part de MioYo officiel qui était donc à 13h en chinois. On comprenait pas le chinois, mais on a un peu regardé les images. Là, on a, on a, on a tout le détail. Euh, du coup des événements, un gros merci à Genshin Impact FR qui font un taf colossal comme d'habitude. Dans la description, vous aurez le lien du site et en plus de ça les codes pour les primogènes. Donc pas moins de 300 primogènes à récupérer. N'hésitez pas à y aller, vous avez que 24 heures. Donc cliquez dans la description et hop Allez tout simplement sur le site remplir pour avoir vos primogènes. Donc on a regardé tout ça sur Twitch ensemble. N'hésitez pas à relâcher le Twitch est dans la description. Du lundi au jeudi, Jungachina impact. Ce soir on va faire un peu de phasmophobie avec FitzAdri. N'hésitez pas à passer, ça fait plaisir. Encore une fois, tout est dans la description. Et on va commencer donc avec cette vidéo assez surprenante. D'ailleurs, l'annonce de l'1.2. Parce qu'il n'y a pas eu de 4 étoiles qui a été annoncée. Ce qui est assez euh, particulier. On va voir tout ça ensemble. Donc... Déjà premièrement on va avoir une nouvelle zone donc d'os dragon qui va être tout simplement le mont enneigé Comme on le voit ici ça va être tout simplement euh, un pan de la carte qui va se débloquer Alors c'est pas une très très grosse zone mais c'est quand même appréciable On va pouvoir avoir euh, tout simplement l'élément glace qui va être représenté ici Et qui est ma foi très joli hein. je sais pas ce que vous en pensez Mais personnellement ça promet quand même pas mal de lourds niveau graphisme Rien à dire comme d'habitude c'est vraiment magnifique Et la petite zone ici avec euh... Un sorte de petit chaudron, un petit œuf, je sais pas trop ce que c'est, m'a l'air euh, très indiqué pour faire une quête. On verra ça du coup euh, plus en détail lors de la sortie de cette version là. Nouvelle quête d'histoire donc comme d'habitude, bien sûr on va avoir la, quête, la, la, la continuité euh, de la quête de l'histoire principale. Là on s'est arrêté avant avec Tartaglia. On va voir ici la suite du coup. Les quêtes de cette zone semblent être centrées sur les personnages d'albeto Sucrose et un nouveau personnage pour ce début de 1.2. Donc Sucrose ça va être l'élève d'Albedo. Donc Albedo ça va être le personnage 5 étoiles qui va sortir en premier pour la mise à jour. Ça va être un alchimiste en fait et un vrai prodige apparemment. Donc les nouveaux personnages confirmés. La bannière Albedo arrivera dès le 23 décembre. Tandis que celle de Ganyu fera son apparition 3 semaines plus tard à la mi-janvier. Donc ces deux persos qu'on avait quand même assez vu venir, qui vont arriver ici. Donc Albedo qui est Geo et Ganyu qui est Cryo, qui est tout simplement un épéiste à une main, donc maître de sucrose, qui va être disponible ici. Il va être plus adapté au support ou au DPS, comme indiqué. Donc les attaques de base qui sont une petite escrime assez raffinée. Hein. On n'a pas quelque chose de beau hein, sur le perso. Son premier skill ascenseur au sens propre. Alors ça, ça m'a fait assez rigoler. Et des... ça va pleuvoir de même, je pense, avec euh, le... son petit skill là qui permet euh, de l'éviter. Donc le skill d'Abedo permet d'invoquer une plateforme qui forme un ascenseur. Lorsqu'une entité passe dessus, les ennemis prennent alors des dégâts. Pourquoi pas Déchaînement en zone géo. Albedo crée une zone de dégâts géo en cercle autour de lui, ce qui inflige des dégâts aux ennemis. Donc voilà pour les petits skills. Hein. On verra les compétences plus en détail dans une vidéo dédiée à Albedo. Vous avez ici une petite idée du perso alors perso euh, je ne pense pas invoquer dessus il me aille pas plus que ça j'ai l'impression enfin le carat design c'est un peu le voyageur en mode euh, upgrade en fait c'est un peu un truc au dessus du voyageur pour moi albedo ça aurait dû être le voyageur de base voilà <laughs> mais voilà c'est cool le perso ok on vient après sur gagneux qui devrait du coup sortir trois semaines après albedo logiquement donc c'est une archère cryo qui va pouvoir permettre du coup euh, de placer un hein, leur Ganyu pose une entité qui provoque les ennemis et inflige des dégâts en zone. L'ultimate donc ça va être Ganyu créer une zone créée autour d'elle dans laquelle les fragments créés tombent, infligeant alors des dégâts aux ennemis. Donc euh, assez cool ces deux personnages là. Ganyu est assez intéressant parce que comme vous le voyez là en fait, son tir chargé ne va pas toucher qu'un seul ennemi mais va se propager autour. Donc ça c'est assez intéressant. Ganyu je pourrais invoquer dessus. Je réfléchis à cette possibilité là parce que je n'ai pas d'archer dans ma team actuellement. Et euh, j'ai pas d'élément cryo non plus, donc ça pourrait être pas mal. Donc, Gagnou, je suis encore en train de réfléchir à ce niveau-là. Pour ce qui est euh, des nouveaux monstres, on va avoir tout simplement euh, les mages de la. Non, pas mages de la bim, on l'avait déjà mages de la cryo par contre. La sorcière euh, électroluminescente, si je me souviens bien, c'est ça le nom. Cryo qui va arriver. À... De même que euh, Gardien des ruines, du coup, qui, va qui vont avoir des patterns différents. Ça, c'est assez cool. On a vu les gardiens des ruines lâcher des lasers avec leurs yeux. Et ça, c'est assez stylé parce qu'on va pas avoir juste des copier collés des mobs avec un élément différent. J'apprécie euh, beaucoup. Donc ici, ça va être, je pense, un chef Brutocolinus. Vous voyez les grands chefs Brutocolinus avec leurs boucliers géo là, qu'ils ont pas mal de boucliers et qu'ils n'arrêtent pas de taper la terre et de la soulever. Je pense que ça va être euh, un chef Brutocolinus de type de là juste ici. Donc assez pressé de voir tout ça. Et euh, comme je dit tout à l'heure, donc comme vous le voyez, il n'y a pas eu de quatre étoiles qui a été teasé. Donc assez euh, stupéfait par ça. Assez stupéfait, on devait avoir un 4 étoiles normalement, comme dans toutes les bannières. Et là, clairement, Albedo va arriver sans 4 étoiles d'annoncer. donc ça va être des 4 étoiles qui sont déjà disponibles sur le jeu. Et personnellement, je vais hard -skip. Je pense là où j'aurais lâché 2-3 multi il si, euh, y aurait eu un nouveau personnage 4 étoiles pour l'avoir sur la bannière. Ici, s'il n'y en a pas de nouveau, ça va être assez compliqué à voir s'il y a peut-être de bénéfices. peut-être une multi pour essayer d'avoir un doublon, sachant que sa première constellation est très forte. Mais je voulais soulever ce point quand même qui est très étonnant. Nouveau set d'artefacts, donc on va en avoir un cryo et un hydro qui sont pour moi au-dessus des autres artefacts, clairement. Donc deux pièces, on a le bonus de base plus 15% dans l'élément euh, enchanté. 4 pièces, plus 20% de crit sur les ennemis affectés par Cryo, plus 20% supplémentaire si l'ennemi est gelé. Ça, je vous garantis que c'est extrêmement fort. Par exemple, sur un Shungun, ça va être juste incroyable, vraiment. Ça, c'est très, très, très fort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, même sur, euh, sur Keia, cette panneau, elle est abusée pour moi. Pour moi, les sets là, de 4 pièces sont vraiment faits pour des persos qui sont euh, des DPS constants de base, alors que les autres sets étaient plutôt faits pour des supports. Genre le set Géo. C'est quelque chose de support pour moi. Electro, c'est un peu pareil. C'est pas pour des persos principaux. Là, c'est vraiment des sets euh, qui sont focus. Euh, avec euh, le DPS de base que vous avez sur le terrain et je les trouve beaucoup plus forts que ceux qu'on a actuellement Sur le jeu, Hydro, 2 pièces Donc 15%, 4 pièces, 30% de dégâts Sur les attaques normales et chargées pendant 15 secondes Après l'utilisation d'une compétence élémentaire Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point C'est extrêmement fort sur Tartalia. Ça va envoyer du lourd les mecs Je ne sais pas si vous vous rendez compte Mais ça va être juste incroyable, donc là c'est la panneau cryo Et là la panneau Hydro, je pense que euh, Ils ont évité de la faire euh, Bleue pour euh, éviter de qui est une trop grande similarité entre les deux, mais euh, voilà. Donc, elle ressemble plus à une panneau géo, mais c'est celle-ci. Nouvel événement principal donc, un nouvel événement sera disponible durant la 1.2. Cet événement semble posséder une histoire liée à Albedo et à une épée violette. Un magasin événementiel sera disponible. Vous pouvez obtenir des primogènes, des ressources d'XP, d'ascension et d'aptitude. Il sera aussi possible d'obtenir une couronne d'aptitude. L'événement se déroulera en quatre parties à la manière de l'événement 1.1 de Fischl. Donc, très bon event. Si c'est le même que, que Fischl on peut récupérer euh, des gemmes pour échanger contre des bouquins d'XP comme on le voit ici, des morasses et euh, même euh, des boucs pour augmenter les aptitudes. Et ben moi, je prends avec plaisir parce que ça coûtait moins de résine que euh, les donjons normaux et ça permettait d'avoir un petit event cool à faire. Donc, moi, je prends avec plaisir, clairement, en plus d'avoir des primogems. Nouveau event mineur, donc au minimum 3 nouveaux événements mineurs auront lieu pendant la 1.2. Un événement centré sur les hypostases, un événement basé sur de la chasse au trésor qui durera 7 jours à la manière de l'event de vol. Le retour de l'événement merveilleuse marchandise qui donnera encore plus de récompenses que dans la version précédente. Donc, merveilleuse marchandise, ça va être tout simplement celui-ci. On avait les caisses on devait aller donner euh, une ressource à du coup un marchand qu'on devait trouver qui nous donnait des primos. J'aime en cadeau et des petits bouquins d'xp, etc. Donc, cet événement assez ah, cool, il y a des primos, donc on prend avec plaisir. Celui-ci, ça va être une chasse au trésor. J'attends de voir. Euh, J'aime beaucoup le système de chasse au trésor, etc. J'espère que ça va pas être trop fastidieux et que les zones seront bien indiquées. Il y aura des bonnes indications et ça, surtout que ça sera intuitif parce que des fois, je trouve certains events euh, pas assez intuitifs. L'event de planage, là, par exemple, il est très cool, mais des fois, les chemins sont un peu bizarres. Et euh, je comprends pas trop euh, où sont placés les cercles certaines fois, tout simplement. Et là, on va avoir un nouvel event, du coup, avec des nouvelles hypostases. Euh, curieux de voir ce que ça donne. Curieux de voir ce que ça va donner, sachant que ces hypostases ont euh, des skills supplémentaires par rapport aux hypostases normales. On, comme on l'a vu lors du live euh, sur la version euh, chinoise, on a des petits trucs en plus. Par exemple, euh, j'ai vu que l'hypostase électro posait tout simplement des sortes de balises électro qui font des dégâts autour, en plus euh, de ces euh, attaques euh, normales. Donc, euh, pressé de voir ça. Voilà, nouvelle version des hypostases. Nous ne savons pas encore si ces modifications ne seront, seront présentes que lors de l'event lié aux hypostases, mais ceux-ci semblent avoir pris beaucoup de puissance et seraient plus difficiles à combattre. Un up des hypostases, pourquoi pas, en espérant qu'ils augmentent aussi les drops. Voilà, à ce niveau-là, pas de soucis. Si... Parce que les hypostases, en vrai, elles étaient clairement assez faciles. Et euh, les drops, par contre, n'étaient pas à la hauteur je trouve. Donc, euh, s'ils peuvent les drops en même temps, avec plaisir. Nouvelles armes, donc minimum, 4 nouvelles armes font leur apparition en jeu. Elles sont a priori récupérables gratuitement via différentes actions, craft par exemple. Ouais. Normalement, donc, ces armes-là arriveront à crafter chez Le Forgeant pour celle-ci et celle-là de mémoire. Donc, euh, assez cool, voilà. Les, euh, les prototypes d'armes vont servir... À faire plus d'armes qu'avant, après, il faudra augmenter le taux de drop des prototypes d'armes. Mais euh, une arme pour chaque casse d'héros, donc euh, mage, épée à une main, épée à deux mains et lance, donc parfait à ce niveau-là, très très cool. Euh, de mémoire, ce que ça fait, c'est que ça casse un petit rond cryo, donc qui va faire des dégâts de zone euh, toutes les 15 secondes, quelque chose comme ça, qui va infliger des dégâts. Modification du mode photo, donc voilà, un petit gadget sympa où vous pourrez euh, avoir des nouvelles aussi, Zemote, vous pourrez sourire, etc., et prendre des photos, donc assez cool. Système de froid dans Dose Dragon, donc la montagne enneigée. Un système de barre de froid sera mis en place. Vous aurez besoin de réchauffer votre personnage pour ne pas subir d'effets néfastes. Cette barre se situe au-dessus de votre jauge de points de vie. Donc elle est juste ici à voir. Je pense qu'on pourrait se réchauffer avec l'élément pyro. Euh, mécanique si vous connaissez Breath of the Wild, très connu. Et euh, ils l'ont rajouté ici, donc euh, marrant, 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 voilà. Donc, nouveau code promo, voilà, les trois codes de primo jeu que vous pourrez trouver dans la description pour les copier-coller. Et un petit trailer que je vous mettrai en début de vidéo. Donc, euh, voilà. Donc, moi, personnellement, je pense qu'il n'y a Albedo. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai des revues détaillées euh, de ces deux personnes Donc, ils sont euh, Albedo et Ganyu. Et euh, ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'il n'y a pas de boss hebdomadaire. Dans la version 1.1, on avait Child qui avait été ajouté. Ici, on ne va pas avoir de boss à faire chaque semaine. Donc, euh, ça montre qu'en fait, on n'aura pas à chaque mise à jour un boss hebdo. Et qu'ils sont réservés vraiment pour euh, les grosses fins de chapitre. Donc, euh, voilà à ce niveau-là. Je pense qu'on a tout dit euh, sur ce... Je vous rappelle qu'on est en live sur Twitch du lundi au jeudi sur Genshin. N'hésitez pas à passer, c'est vraiment un truc de fou en ce moment qui se passe. Il y a plus de plus de personnes et euh, ça fait grave plaisir, ça fait chaud au cœur tout simplement. Donc les liens sont dans la description. Ce soir, euh, ce soir c'est Phasmophobia avec Fit. Et demain on refait du Genshin. En plus de ça, je vous prépare un gros gros live pour le 22, donc un live 12 heures un peu marathon pour découvrir tout ça ensemble. Vous inquiétez pas, vous avez juste à activer les notifs sur le Twitch pour être au courant et je vous en parlais. Plus longuement euh, dans une prochaine vidéo. Sur ce, n'hésitez pas, le petit pouce bleu et l'abonnement, ça ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, beaucoup de luck pour vos invocations. Ciao, ciao, à la prochaine.